Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon expérience en tant que Wikipedian Residence à la Bibliothèque diocésaine de Tunis. Je travaille sur le projet GLAN, sur la numérisation donc des livres qui sont sous licence libre et qu'on a mis sur les projets de Wikimedia. En fait, pour le moment, je travaille sur Wikicommons et on a gardé quelques copies PDF pour le Wikisource. Donc, j'ai préparé un vidéo, comme si. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai préparé une vidéo pour présenter la bibliothèque. La bibliothèque diocésaine a été fondée il y a une quinzaine d'années. Elle est située au cœur de la médina de Tunis. Son domaine de prédilection est celui des sciences des religions et son fonds comporte principalement des livres et des documents en lien avec les différentes religions qui ont été bien présentes en Tunisie. Le christianisme, le judaïsme et l'islam. Il y a cependant de nombreux textes et de nombreux ouvrages sur les théologies asiatiques ou les religions traditionnelles africaines. La bibliothèque a aussi pour objectif de faciliter l'accès à la connaissance des sources religieuses et organise régulièrement des rencontres interculturelles et interreligieuses. Nous travaillons en partenariat avec l'association Cartagina et l'association Wikimedia. Avec ces deux associations, nous nous sommes engagés dans le projet GLAM en vue de la numérisation des documents que nous pourrions mettre ainsi plus facilement à la disposition d'un plus grand nombre de personnes. Aslama, ana Amna Mizouni, رئيسة منظمة كارتاجينا اللي هي كارتاجينا هي منظمة أسسناها 4 سنين التالي تهتم بتوثيق متاع التراث الموروث التونسي وتهتم زادة بالميدياتيزاسيون غير التوثيق نحكيه على أنه نعرفه بالتاريخ والتراث والموروث التونسي برا من تونس وفي تونس في 2014 بعد معناها ما خدمنا مع ما بين قرطاجينا وما بين الويكيميديين في تونس حكينا على انه نزيدوا نخدموا اكثر مع بعضنا غير انه نخدموا في فترات معينه اللي هما في مثلا في ويكي تهوى المعالم ولا غيرها ولينا نحكيوا على كيفاش نزيدوا نتوسعوا نخدموا اكثر حاجات اللي زوز نلقاو اهدافنا مشتركه فيهم اللي هي توثيق التراث ولا التاريخ التونسي وتعرف به وما فماش أحسن من أن نعرف به على الموسوعة العالمية الحرة فكرة جت بمشروع الجلام اللي معناها تحتضنه مؤسسة ويكيميديا قلنا علاش ليه كيفاش نجمو نخدموه بدأت الفكرة ما بيناتنا ما بينات قرطاجينا ويكيميديا وقتها تأسست المجموعة في تونس وكبرنا شراكة ما بينات قرطاجينا وما بينات المكتبة على طريق ويكيميديا ودخلنا ولينا شراكة ثلاثية وقاعدة كارتاجينا هي اللي تلعب في الدور الرئيسي ما بيناتهم الاثنين باش نوثقوا الكتب اللي موجودة والخرائط اللي موجودة في المكتبة الأسقفية فما جزء كبير من خدمة زينب من معناها الأشغال متاحة والتاسكس متاحة كانوا أنها تعاون في المونتاج
تشوف شنو موجود في المكتبة وشنو اللي ليه شنو اللي يستحق وشنو اللي طايح في معناها في البابليك دومين ولا ينجم يكون الليسانس نتاعو معناها تسمح الرخصة ولا الترخيص نتاعو يسمح انه يكون محطوط على الويكيميديا كومنز ولا الويكي سورس. البروجي اللي لهم في البروجي خلينا نخدموا على الموزي les galeries et l'archive en fait pour le numériser voilà, pour partager tout ce qui est sous le domaine public avec tout le monde sur l'un des projets de Wikimedia. Parmi les problèmes que j'ai rencontrés à ce moment dans le projet Hadaya, c'est que nous avons travaillé juste sur des choses typiquement en Italie, nous avons travaillé sur les feuilles A4, nous n'avons pas travaillé sur les كتبة الكبار اللي عنا ولا على الكتبة البوني منيو خاطر عنا كتبة بحاتفهم فوق من 700 كتبتوه مكتبة كتبة عن آخر كتبة معتها من 1700 من 1800 دونك كتبة اللي انتي حتى كندور اللي فاش ما نجمش فخاجين دونك تخاف عليها وانا ما نجمش نقدم فيها ما نجمش نهدم عليهم على خاطر ما نلقاش عندي الماتريال ادكوا معناتها اللي باش يخليني نخدم على الكتبة هذوما مي او ميم طون عندي كتب اخرين اللي هما معناتها دي بتي لي ولا كتب معناتها كاتر ماهمش كبار ياسر يعني معناتها لي باج نتاعهم ماهمش برشا دوك هذوك اللي قعدنا نهبطو فيهم هنا طوندو احنا نشوفو هكا اون سوليسيون من بعض الكتب الاخرين اللي فريمون يستاهلو انهم يهبطو وان شاء الله نهبطوها. En fait, on a commencé ce projet depuis 2016. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment partagé beaucoup de documents et beaucoup de cartes pour plusieurs raisons. La raison de matériel, la raison des bénévoles. Et voilà, donc c'est cette vidéo où il a expliqué notre relation et notre partenariat en tant que trois partenaires. L'association Cartagena et les Wikimedia User Group et la bibliothèque diocésaine de Tunis. Donc, à part le GLAM, on prépare toujours des ateliers, des événements et des workshops liés à Wikimedia, bien sûr. Donc, grosso modo, j'ai préparé seulement le vidéo pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse partager nos expériences. Et voilà, on commence à discuter. Ah, Flo, t'es en retard. T'as pas vu le vidéo? Sur YouTube. Ouais. Montre la vidéo à ouais, après. Ouais, après. Donc aujourd'hui qu'on a fini la vidéo de toute façon. Ouais. Pour résumer les problèmes en fait rencontrés pour dans le cadre du projet GLAM, donc si tu peux résumer ça en fait. Ouais. En fait le grand problème, c'est le matériel, parce qu'on utilise le scanner et un appareil photo. Donc le scanner, on a un simple scanner normal de format A4. Donc jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à scanner d'autres livres du grand format ou des livres A4, mais ils sont volumineux, donc je n'arrive pas à le scanner, quoi. Donc sinon, on a vraiment du fond à la bibliothèque, on a des livres qui sont datés de 100 ans et plus, donc ça c'est facile à faire, donc juste on a besoin du temps, c'est tout. Donc mais ça reste le grand problème, ça reste le matériel, c'est tout. Les bénévoles, on va seulement voir le matériel ou tu penses qu'une formation aussi est nécessaire? Ah oui, le plus important c'est la formation. En fait, moi j'ai oublié ça. En fait, je suis marketeuse de formation. J'ai pas étudié la documentation et tout ça, donc j'arrive pas à, comment dirais-je, à faire attention à les livres et tout ça. Donc je sais pas, j'ai peur même de les feuilleter. Donc c'est sont des fragiles quoi les livres.
Donc, je ne sais pas comment on peut faire. Donc, je trouve qu'on a besoin de formation pour les gens qui travaillent à la bibliothèque, qu'ils n'ont pas formé, donc, bien sûr. On cherche le matériel adéquat à ce genre de livres, à ce genre de documents. Donc, voilà, c'est ça. Autre question. Oui, enfin, pour ce que je connais, pour il existe des scanners de livres. Enfin, Wikimedia France en a un dans ses locaux. En fait, ça se présente sous la forme. Comment? D'accord. Ça se présente sous la forme enfin, d'un V, comme ça. On met le livre à l'intérieur et il y a des appareils photos, enfin, quelque chose comme ça, qui prennent les photos des pages comme ça. Donc voilà, enfin, ça c'est sûrement, ça peut être utile parce que comme ça, il n'y a pas besoin d'ouvrir le livre. C'est vous qui a créé ce truc, Non, non? non, non. Enfin, c'est disponible. Enfin, il y a des plans sur Internet pour ce Ouais. type de scanner. Et puis il y a des modes d'emploi tout faits en fait pour Ouais. fabriquer son propre book scanner. Ouais. Ouais. Mais du coup, ça nécessite l'achat d'appareils photo. C'est faisable pour soit la bibliothèque, soit votre groupe. Oui, on a déjà un appareil photo, donc Il en faut deux. deux. Oui. Ah ouais. Pas n'importe lequel parce qu'il faut qu'il soit pilotable. Ah ouais. C'est un peu. Ça demande des appareils un peu costauds qui coûtent un peu cher quand même. Il y a Mais c'est tout à fait faisable. Sylvain sûrement qui peut répondre vraiment en détail sur ce qui Oui, est oui. utilisé sur Wikimedia pour Wikimedia France. Pour Ouais. celui qui est dans l'assaut, oui. Ouais. Mais ça, à mon avis, enfin, c'est un truc qui est tout à fait faisable à mettre en place, hein. Ouais. Donc, ouais. Bonjour. Y a-t-il une possibilité d'emporter des livres dont les droits de l'auteur sont dépassés en France ou dans un autre pays, en Tunisie, pour les téléverser dans le projet GLAM ou... En tant qu'elle est sous domaine libre, donc on a le droit. Pour la Tunisie, non? Ou non? Donc vous avez la possibilité Oui. maintenant et les moyens. Non? La possibilité, oui, mais les moyens, non. Donc, parce qu'on a à la bibliothèque, on a des éditions françaises, il y a des éditions de la Tunisie, ça. L'essentiel que. Les seules choses que tu connais, que tu connais bien le droit, voilà. Est-ce que tu as le droit de le partager ou non? Donc c'est le plus important. Je ne sais pas. En termes de chiffres, combien de livres a été scanné? Et Une combien reste? dizaine. Une dizaine. Une dizaine. Mais ce sont des livres. Ce n'est pas des petits documents. Ce sont des livres de 60 pages, 50 pages, 40 pages. Ça dépend. Mais une dizaine, même plus, 13. Ils 13. sont disponibles sur... Oui, ils sont disponibles sur Commons, sur la catégorie Wikipedia and Residence at Diocesan Library of Tunis. Donc, ici, seulement sur Commons. Bonjour. Alors, je voulais savoir quel est l'objectif à long terme que vous cherchez à atteindre. Toi, Zainab, en tant que responsable du projet GLAM, enfin celui de la bibliothèque diocésaine sur lequel tu travailles, est-ce que tu as un objectif ou un nombre de livres ou qu'est-ce que tu voudrais atteindre? Personnellement, je voudrais. Mon objectif, c'est de numériser tous les bouquins qui sont sous Tous les domaine livres. libre, qu'on a à la bibliothèque. Il faut qu'on profite, après tout. Ils sont sous C'est domaine combien de libre, livres, donc. c'est en nombre? Non, ils sont nombreux. Hein. Moi, j'ai 25 000 livres à la bibliothèque. Mais ce n'est pas les 25 000 qui sont sous domaine libre. Hein. Oui, Donc, j'ai compris. voilà. Donc, je fais l'inventaire de chaque année, de partie par partie. Donc. Est-ce qu'il y a une classification par ordre d'importance, priorité, donc Oui, c'est le plus important, c'est les livres qui sont liés à l'histoire de la Tunisie, donc les sites archéologiques, l'histoire. Donc, on a partagé des trucs sur le musée du Bardo, sur les sites archéologiques du Kef, sur le Mahdia aussi, le site archéologique de Mahdia. Donc, on essaye
Bah, notre objectif, c'est de partager tout, mais on commence par l'histoire de la Tunisie pour qu'on attire les gens de lire sur l'histoire de la Tunisie. Voilà. Oui. Mais du coup, le but, c'est de laisser directement les pages visibles sur Commons, ou vous voulez créer les livres après sur Wikibooks ? Wikisource. Oui, le but c'est de le partager aussi sur Wikisource. Mais personnellement, moi, je n'ai jamais travaillé sur Wikisource. Et je voulais contacter là, moi, Nicolas qui n'est pas là, n'est pas assisté. Donc, j'ai pensé que je vais l'évoquer ici. Donc, sur Wikisource, je ne connais pas vraiment bien. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui va me montrer comment on peut faire. Et en même temps, quand je le partage sur Commons, je garde toujours une copie PDF. Donc, pour Wikisource et même pour le site web de la bibliothèque. Donc, parce qu'on est en train d'augmenter un site web, implanter plutôt un site web donc de la bibliothèque. Voilà. Qui travaille ici sur le GLAM ? Non, personne. Ouais. Oui. À l'origine, dans l'esprit, Wiki Loves Women, on voulait que ce soit un projet GLAM. Ouais. On était parti de l'idée que, puisqu'on n'a pas beaucoup de personnes qui rédigent, qu'il y a des problèmes importants de sources, bah après tout, allons chercher ce qui existe déjà. Voilà, pareil, c'est plus simple. Le problème, c'est que les tentatives vis-à-vis des structures culturelles, ça n'a pas marché parce que là-bas, comme Wikipédia est peu connu, il n'y a pas de confiance. C'est la première raison, je pense. Donc, il n'y a pas de confiance. Quand les gens essayent de les contacter, ils ne répondent pas. Alors qu'effectivement, nous, en France, Wikimedia France contacte un musée. Maintenant, on leur répond, quoi. Bah, là, ils ne répondaient pas. Ou alors, ils répondaient et ça durait... il y avait beaucoup de délais d'attente. L'autre raison, c'est un truc que j'ai observé quand on est allé à Accra. J'ai voulu aller au musée d'histoire et quand je suis arrivée devant, il était fermé et je dis au taxi, c'est dommage, c'est aujourd'hui, on peut revenir demain. Il me dit non, ça fait 6 mois qu'il est fermé. Moi je dis pourquoi vous m'avez amené ? Ah bah vous avez demandé à venir. D'accord, c'est intelligent. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place des partenariats ? En Afrique du Sud, j'avais eu le même problème, le musée était fermé le jour où on arrive. Donc c'est difficile. Donc après, on se tourne plus vers les ONG qui ont aussi plein d'infos. Mais donc, on est plus trop sur des projets GLAM. Dès qu'on travaille plutôt avec des ONG, c'est travailler avec des contenus qui existent déjà, mais ce n'est pas des contenus de musées, de galeries, etc. Donc, c'est un peu au milieu. Et de souvenir, il n'y a que le Ghana qui a vraiment essayé de travailler côté GLAM. Le Ghana et l'Afrique du Sud. Et ce n'est pas très convaincant ce qu'on est sorti, quoi. Difficile. Et En fait, je pense que c'est le problème majeur. En fait, c'est trouver un partenariat avec une institution GLAM qui accepte de faire ça. Une première. Donc, en Tunisie, en fait, c'est la bibliothèque, la seule organisation ou institution qui a accepté de faire ça, c'est la bibliothèque diocésaine. Ouais. Donc, elle a une marge de flexibilité, peut-être, qui l'a permis de faire ça. Ouais. Sinon, on a essayé de contacter. Il y avait des tentatives de contacter des musées et des galeries, mais ils n'ont pas abouti. Je pense qu'une fois que tu as un ou deux bons exemples, après, je vois bien à Wikimedia France, c'est ce qu'on a fait. Hein. Une fois qu'on a eu notre premier exemple, après, on s'est pointé avec le premier exemple sous la main. Après, c'est beaucoup plus facile. Mais le premier. Alors, par contre, moi, un des fantasmes que j'avais à voir, c'est qu'aujourd'hui, les groupes qui ont fait des brochures sur les projets GLAM, c'était surtout des groupes européens. Et dans les brochures, les exemples qui sont donnés de partenariats, c'est d'une part essentiellement en Europe et aux États-Unis. Et puis d'autre part, c'est vraiment parce que ça fait classe, avec des grands musées, avec des très grands partenaires. Et l'inconvénient, c'est que quand ils sont pointés avec ces documents-là dans les musées africains, d'abord, ça a été « oui, mais ça, c'est ailleurs ». C'est pas chez nous, c'est ailleurs, c'est autre chose, donc c'est même pas une référence. Et puis deuxièmement, si on va voir un petit musée, une petite structure et qu'on parle de partenariat avec des big shots, et mais c'est pas pour nous en fait. Et ce qui serait bien, et en gros, la Tunisie, c'est une des structures qui a ce genre de partenariat, c'est en fait de faire une brochure
S'il n'y a pas assez de enfin, une brochure qui soit plus sur le continent, là, ou sur un certain nombre de pays sur le continent africain, avec des exemples qui soient à la fois des gros exemples et des petits exemples de petits musées locaux, ou des choses comme ça, qui permettent d'aller voir les partenaires en disant ben, y a pas mal de choses qui se font, et ce n'est pas ailleurs aux États-Unis, c'est ici que ça se fait. Ouais. Et pour l'instant, il n'y a pas ça. Par contre, on a essayé de contacter une autre bibliothèque, c'est la bibliothèque de Dar Ben Achour, qui c'était aussi à la Médina. Donc, ils ont d'accord, ils n'ont pas refusé, puisque. Non, étatique. Ouais. C'est la bibliothèque, oui. Donc, ils n'ont pas dit non. Oui, donc ils ont accepté. En attendant qu'on va signer une convention. Voir la suite. C'est pas la même chose. Il faut qu'on attire les gens qui travaillent là-bas d'être des Wikipédiens en résidence. Ce sera mieux comme ça. Par contre, c'est une galerie privée. Donc, comme une galerie dont on a contacté, oui. Elle vous oblige d'apporter un photographe professionnel. Oui, ce qu'on peut comprendre. Mais aussi, tu vas être payé. Donc, tu es salarié. Ouais. Ouais. Une question avec la bibliothèque d'Issoussienne. Est-ce qu'il y avait un contrat signé ou juste une coopération? Juste une coopération orale, parce que moi je travaille à la bibliothèque. Donc, Une personne. Oui, vous êtes libre. Donc, le directeur de la bibliothèque, dès qu'on a parlé de projet, il est d'accord. Il trouve que c'est important de partager ces documents. Donc, il n'a pas refusé. Donc, il a accepté. On a commencé à travailler. Le facteur clé, c'est l'association qui est déjà réellement installée, c'est une personne qui est déjà dans la place et avec qui on fait déjà confiance. Alors, si en plus elle est elle-même documentaliste, etc., ben c'est bon, c'est quelqu'un de la famille, ça passe tout de suite mieux. Et puis le troisième truc, c'est quand même, soit tu viens avec un photographe professionnel, soit, je sais pas, t'as quelqu'un wikimédien qui vient, mais on voit qu'il a du bon matos et qu'il sait s'en servir. C'est différent de ce point de vue qu'un téléphone portable. Et un des soucis, c'est que, bah, je sais pas, si tu regardes par exemple le groupe ivoirien, je crois pas qu'ils aient dans leur équipe quelqu'un qui soit un photographe niveau professionnel, tu vois, ou que cette personne ait envie de le faire, j'en sais rien. Mais si, quand tu commences à avoir un groupe de 30-40 personnes, tu as des chances d'avoir ce genre de personnes. Quand tu es dans un groupe de 5 personnes, dans ce cas-là, tu es obligé de te pointer avec un photographe, il faut le payer. Oui. Bah, on a chancé d'avoir des photographes dans les groupes parce que. Parce que nous, on organise toujours les concours photo, les concours de compétition. Donc, Wiki Loves Monument, Wiki Loves Africa, Wiki Loves Earth. Donc, il y a des gens, mais ils ne sont pas vraiment professionnels. Ce sont des amateurs. Oui, mais si c'est des amateurs éclairés, tu vois qu'ils savent se servir du matériel. Ils viennent avec, je veux dire, du matériel correct. Ça passe. Ouais. Pour tes livres, tu as utilisé qu'est-ce que tu as utilisé à qui était le matériel, par exemple, qui permettait de faire les scans, etc. C'était à la bibliothèque directement ou vous êtes venu avec du matériel? Pour le moment, on utilise un simple scanner. Scanner, c'est pas de la bibliothèque, en fait, c'est le scanner de l'association Carthagina. D'accord. Donc, c'est un don pour l'association, puisque le local de l'association, c'est la bibliothèque. Donc, on utilise les scanners. Sinon, on utilise un appareil photo qui n'est pas vraiment pratique pour les livres et pour les documents, donc de le partager. Donc. Ouais. Et même pour organiser un atelier de GLAM, on aura du besoin plus d'un scanner, au moins 3-4. Donc, comme s'il y a des gens... Donc, avec un simple scanner, donc c'est pas vraiment... Après, tout dépend de la qualité de ce dont tu as besoin. Est-ce que c'est quelque chose qui est un document précieux et qui a aussi une valeur en tant que document? Jusqu'à maintenant, on n'a pas touché les documents précieux. Jusqu'à maintenant, on n'a pas touché ces documents, donc parce que ils sont fragiles, on n'arrive pas à l'utiliser. Ouais. Mais sinon, les scanners à main, c'est pas mal. Ouais. On a utilisé l'appareil photo. Ouais. Mais il n'a pas donné vraiment le résultat vraiment d'un scanner. Mais ouais, j'ai partagé, ouais. 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 Ouais.
Ouais. Ok, on va travailler sur ça. Ouais. Sinon, je veux parler de clé de succès de projet, en fait. C'est le partenariat. En fait, si tu as des partenaires que tu peux compter sur lui, donc tu peux avancer. Donc sinon, s'il n'y a pas des partenaires qui ne sont pas vraiment prêts, qui ne sont pas vraiment encouragés, comment ? Il nous a encouragés à la bibliothèque diocésaine. Dès qu'on a parlé du projet, ils ont accepté. Donc on fait tout ce qu'on veut à la bibliothèque. Soit des événements, soit on peut utiliser les documents pour les articles et tout ça. Donc on ne trouve pas toujours des partenaires comme ça. Voilà. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de questions ? Pas de remarques ?